Bonjour à tous les gamers, on se retrouve sur Jesso Gaming avec la suite du let's play de Evil Whiting. Donc voilà, la dernière fois on a fait une vidéo pour le chapitre 1, donc là, mission, faire une vidéo pour le chapitre 2, ça serait bien. Donc on va y continuer. Donc là pareil, hein, ce soir, je suis en pleine nuit. Toute lumière éteinte, uniquement ma télé allumée avec le jeu. Donc j'espère quand vous regardez la vidéo dans la même condition. C'est pas une obligation, c'est juste pour rendre mieux le gameplay, c'est tout. 1080p là, parfait. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Je vois du rouge partout. Non mais nous les gens. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous êtes sérieux? Vous me laissez là comme ça, comme un con? Sérieux? Et c'est dans la merde. Bonjour monsieur. Je crois qu'on se connaît pas. Des corps découverts dans un village au bord du lac. La cause des décès reste un mystère. Plus d'une dizaine de morts mutilés retrouvés dans le village d'Elk River. Plusieurs habitants portés disparus. Bah, en même temps, s'il y a plusieurs morts, peut-être que les habitants portés disparus sont morts. C'est la nuance. Je sais pas, c'est comme ça, bon après. Alors. C'est quoi ce bordel? Hey! Y'a quelqu'un? Personne. Ah, c'est chic. Qui aime les bébêtes? Pas les petites bébêtes. Ah, bonjour. On est réveillé. Les autres vont bien? Où suis-je? Mais de quoi parlez-vous? Il n'y a que vous ici. Pour le moment. Hein? Et bien, c'est où? Un hôpital. Ce lieu est important. Vous êtes toujours le bienvenu ici. Je suis à l'hôpital? Je crains de ne pouvoir vous répondre. Je vous en prie, inscrivez-vous ici. Si vous ne signez pas, nous ne pourrons pas conserver vos prochains souvenirs. Ah, c'est pour sauvegarder. Ok, vous vous écrasez à sauvegarde, hein. Veuillez me suivre. Ça sent le médicament. Détendez-vous. Ça devrait vachement se détendre. Asseyez-vous donc. Qu'est-ce que vous faites? C'est pour votre bien. Ne vous débattez pas. Non! Arrêtez! Je le verrai, vous aidera à améliorer chacune de vos attitudes. Vous voyez? Voilà, tout va mieux.
Est-ce que je deviens dingue? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous attends. Mais quel air mortel! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis où? Une seringue. On ne connaît pas l'origine du médicament qui contient cette seringue du voyage, mais il restaure modérément la santé. Ok. Kidman, où êtes-vous? Appuyez sur R, voilà en terre, pour équiper le logiciel. Ok. Donc du coup, on va utiliser la seringue. Ah, ça va beaucoup mieux en effet. Alors... un peu de verre... C'est super spé quand même, hein. Ah d'accord, là on se retrouve, on s'est scratché tout à l'heure. D'accord, ok, c'est bon, je me repère un peu. Alors... par là, il y a du sang. S'il y a du sang, c'est que il doit y avoir quelqu'un par là. Attendez. C'est bien du sang quand même. Je suis pas folle. Il y a même le reflet en plus dans les arbres et tout. Attaque au corps à corps. Vous pouvez attaquer vos ennemis au corps à corps et briser des objets avec une arme ou un manu. D'accord. Ok, c'est chouette ça. Ça l'est beaucoup moins. C'était un... une vache. Vache. Je dirais une vache, après à vous de voir, mais moi, personnellement, je dirais une vache. Bon, on va aller par là. Oui, ça peut être mal, une lampe torche, en effet. Ah, une lampe torche. Tu comprends. Hey! Je sais trop, je vois pas ça. Qu'est-ce qu'il me semble, je vais vous montrer. La tête. Mission. Ouais, c'est valant, ça. À main nue. À main nue. Allez, bah non, mais il faut être dessus, mon garçon, quand même. Allez. C'est bon. Pourquoi t'as fait ça, mon garçon? Franchement. Tu savais en plus que t'étais pas fort contre moi. Y'a rien. Bon, on a récupéré un flingue, c'est bien déjà. On avance. Bon, ben voilà. Voilà.
J'ai pas autre chose à prendre. Je ne pense pas. Donc là, on a un flingue avec aucune balle dedans. Utilisez la lanterne. Appuyez sur L pour allumer ou éteindre la lanterne. Ok. C'est sûr que c'est mieux de l'allumer quand même. On y va un petit peu plus clair. Par contre, il attire comment sa lanterne? Je peux savoir exactement. Ah, d'accord. Il fait ça. Et qui est complètement mieux? Ouais, d'accord. Je veux juste savoir en fait le... s'il y avait quelque chose sur le flingue. Donc, déjà, on va prendre ça. Hop. Tac. Ensuite, on va continuer notre petite aventure. Ah merde, c'est pas ça. Ça fait mal, ça fait mal. Oh là. Tu voulais me prévenir du piège? Leslie, c'est ça? Je suis inspecteur de police. Je devrais pouvoir t'aider. Pouvoir t'aider? Merde. Comment je vais faire pour t'emmener à l'hôpital? À l'hôpital. À l'hôpital. 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 Bordel. Bon. Faut désamorcer le piège. Ouais, c'est sûr, c'est mieux de désamorcer. Pièces détachées obtenues. Les pièces détachées sont nécessaires pour fabriquer des carreaux pour l'arbalète agonie. Ces objets s'utilisent dans l'écran d'inventaire. Ok. C'est bon, je peux passer tranquille ou hein. Bon, Leslie, où es-tu, mon garçon? Bref. Ah, je sais pas, c'est un garçon ou une fille, d'ailleurs. Parce que normalement, Leslie, c'est un prénom de fille. Alors, L1 pour sprinter. Parce que normalement, Leslie, c'est un prénom de fille, mais la voix est un, une voix d'homme. Donc, je n'ai pas de la peine à comprendre. Ce sera peut-être plus clair par la suite. Bonjour. Enflammé. Approchez-vous d'un ennemi au sol et utilisez une allumette pour l'enflammer et le réduire en cendres. Si les ennemis sont suffisamment proches, vous pouvez tous les brûler avec une seule allumette. Il existe d'autres objets inflammables en dehors des corps et des ennemis. Ok. Et bien on va enflammer ça, hein. Pas de problème. Pas contraignant enfin. Là, il faut prendre la boîte d'allumettes d'abord, bah oui. Suis-je con? Suis-je con? Ouais, ça permet qu'ils revivent pas, je suppose. Je suppose. T'es soufflé? Non. T'as couru deux mannequins. Mais t'es comme moi, mon garçon. Ça comprend pas tout, là. C'est quoi, ça? Passe pour la police. Journal de Sébastien Castello. Okay. Merde. Il a toujours sa lampe torche. Je ne sais plus si je rêve ou pas. Quelque chose ne va pas. Thank you.
resauvegarder. Je sais pas, ça pue la merde un peu. Je sais pas si c'est moi, mais. J'ai cette impression là de. Ça pue la merde. Ça pue un quelque chose de pas clair. Alors, stock, arme, aptitude. Améliore votre maîtrise des armes, capacité de transport. Aptitude, il y a quoi? Jauge de vie. Augmente la capacité maximale de la jauge de vie. Temps de sprint maximal. Ok, attaque au corps à corps. Enfin, c'est vraiment la puissance des attaques au corps à corps. Et Homer, l'efficacité des seringues. En gros, avec 1500, je peux rien faire, quoi. C'est ça, clairement. Ah, si, je peux me faire un cadence de tir. Vitesse de rechargement aussi. Capacité de chargeur. Précision. Coup critique. De porter coup critique en visant l'ennemi à la tête. Eh ben, ça, je prends. Ouais, je prends. Voilà. D'accord, en fait, il faudra revenir ici à chaque fois, en fait. Pour sauvegarder, je pense, ou pour améliorer cette aptitude. Je pense que c'est ça, en fait, si j'ai tout compris. Bon, on peut s'en aller, là. Non, on peut pas s'en aller. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre, alors je repars. Je vous attendais. Vous n'avez pas bonne mine. Bah ouais, mais je sais pas, dis-moi autre chose, parce que là, je me fais un peu chier, en fait. Je sais pas pourquoi je suis là. Ben voilà, quoi. Ah, rien à faire, de toute façon. La porte, je vais pas l'ouvrir. Je peux pas l'ouvrir non plus. Je peux pas l'ouvrir non plus. Bon, bah, y a un miroir là-bas, on peut y voir. Hein. Ah, mais je retourne forcément là. Donc, c'est forcément qu'il y a un truc. Ok, normal. En fait, je crois, je sais pas, j'ai dû prendre le guide mur. Je sais pas ce que j'ai encore fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis habitué de toute façon. Habitué à faire des conneries là. Non mais sérieux les gars, tu cours 3 mètres quoi. Oula, ça pue la merde ça par contre. Alors R1. D'accord. Ah, tu l'as pas vu celui-là, tu l'as bien mangé, mon garçon. Et on a récupéré quoi? J'ai aucune idée de ce qu'on a récupéré. Une seringue, je suppose. Donc la personne s'est barrée par la fenêtre. Action contextuelle, commande info, action. Bien d'enjamber les obstacles et de passer par la fenêtre. Ok, bah oui. Alléluia. Protège-nous. Ce monde, c'est brutal. Hey, excusez-moi, vous êtes du coin? Je suis paumé et...
peux pas continuer. Allez, on va temporiser un petit peu ailleurs. Ouais, bah, on se casse. Alors. Non, c'est pas la bonne touche que je voulais. C'est celle-là. Attendez, seringue. Eh ben voilà, ça va aller beaucoup mieux quand même. Déjà, hein, mon garçon. Alors, on va éteindre la lumière. Ils savent que je suis là? Oui, ils savent pas. Moi. Allez, viens, prends. Putain, fils de bâtard! Ils me prennent à revers comme ça! Putain, ça peut durer longtemps comme ça les mecs. Ça peut durer longtemps, longtemps même. J'en avais qu'une de toute façon, j'en avais qu'une sans rien. La 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 la. La la la. Dépêche-toi quand t'es poursuivi, mon garçon. Voilà, ferme la porte, c'est très bien. Il y a quoi par là? Les allumettes. Une seringue. Il y avait les boules, hein. Les boules, les coordonnées qui pendent. Je sais pas si je passais par la porte parce qu'en fait. Désactiver le piège, hop, ça me fait des pièces. Voilà. Là, je les entends, je sais plus qui ils sont, je pense qu'ils sont pas dans la maison quand même. Je pense. Pas. Alors, on a ça. De la chale. C'est comment ça s'appelle déjà? Gel vert. Je sais pas comment ça s'appelle. Je le veille. Voilà, j'ai fait le tour. Du coup, je vais prendre une petite seringue, hein, parce que. Pas dire que c'est la noce, hein. Ah la crame. Crame mon petit, crame. Paix à ton âme. Ah oh, yes, des cartouches en plus qui me laissent. Ah oh, c'est chouette. Donc, du coup l'autre il est où? Il est là. D'autres du village. Par contre du coup l'autre... peut-être l'avoir ouvert en fait. Tranquillement. Gentiment.
je suis là. Mais non. Allez, on avance. Hop là. Prêt à tirer, mon gars? Pourquoi il se cache comme une tapette, l'autre, là? Je vais essayer notre tactique. Mon gars, sérieux, tu peux marcher en arrière comme ça sur tes temps. C'est quoi ce bug? Comment faire? Bon, je vais m'assurer qu'il remonte déjà, c'est positif. Mais c'est dans un plein bug. Non, j'ai fait la con, putain. J'ai fait la con, bordel de merde. Ouais, faut s'en foutre que je passe à côté ou pas, en fait, ça me bat les couilles. Allez, on y va. C'est dans ça là-bas, il doit y aller normalement. Du coup, je vais pouvoir l'avoir en vert. C'est quoi, il est complètement buggy, comme ça c'est encore mieux. Voilà, on simplifie la vie. Hop. Ça y est. Je pense que c'est par là-bas qu'il faut y aller, par l'autre côté. Et moi je passe par là pour justement voir ce qu'il y a. Ok, il y a un monsieur qui est juste là. Putain. C'est quoi ça? Ah, il est paré. Hop là, le système. Tu l'as pas retourné la bouteille, mon gars? Toi aussi t'es bugué. Ah, t'es pas beau, hein, franchement. Ah, t'es pas beau du tout. Allez, on se la tente. Yes! Ah! Comme ça, hein? Hop là! C'est vrai, c'est ton torche? Voilà! C'est peut-être par là qu'il fallait aller, en fait. Toi, je te brûle avant que tu vas te réveiller. Il faut me prendre pour un con non plus. Il n'y a rien. C'est le néant total. Bon. Là-dedans, il y a quoi? C'est pour se cacher. Ah, c'est pas mal.
Pas de balles, ok, c'est pour apprendre. Là, il n'y a que dalle. L'étage, je pense. Dans le genre discret, on a connu mieux, hein. Ok, là, il n'y a rien non plus. Ok, ok, ok. Bon, bah, on continue le périple. Oh putain. De toute façon, j'en ai déjà, je m'en fiche. T'étais pas prévu pour un. Non, mais oh. Ah, bah, Léon, il devrait faire plus petit en clé, tiens. Enfin, plus gros, je veux dire, en clé. T'as quoi? T'as 4 balles, toi. Ok, c'est cool. Ok, donc là, on fait furtivité parce qu'on a vu le piège juste avant. Et que je vais pas aller me faire plomber le cul. Bêtement. Voilà. Je voudrais jamais savoir quand même qui c'est qu'il est. Qui c'est qu'il les pose ces pièges? Parce que franchement, je vois mal du zombie faire ça, quoi. Je suis plein parce que je vais pas recharger, hein, sinon je suis pas plein. Hein. Bon, c'est fou, ça j'aime bien. Je sais pas si ça sert à quelque chose d'être cramé, hormis, hormis le fait qu'ils vont pas se réveiller forcément. Mais, je sais pas si c'est mon but. Je sais pas. Bon, bah, de toute façon, il n'y a plus qu'à venir par là. Je me serais bien un peu de vie en plus. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Parce que là, on peut dire que là, on va être un peu dans la merde. Alors, ensuite. Un zombie là-bas, je le vois. Putain, il y en a un aussi. La position du fœtus. Du je ne bouge plus. Allez, allez, mon gars, allez, mon gars, allez, mon gars. Yes, ça, ça passe. Comment, mais c'est passé. Alors, on prend la lampe torche hein, qui va servir pour l'autre là-bas. On reprend notre maison de mort. On a toujours un beau petit piège. Ok, ok, ok. Je crois qu'il m'a vu. Je crois qu'il m'a vu. Je vais faire un petit expérience. Yaha! Expérience a marché. Putain, il est pas mort, ce fils de pute. Putain, mais il t'en faut beaucoup. Il est où? Là. Putain, le mec, il se prend une explosion comme ça, il est même pas mort. Mais t'es sérieux, mon pote? T'es sérieux? Ah, par contre, t'avais un truc. Récupère. Ça peut pas goûter. Ok. Ok, ok. J'entends un bail. Encore un piège. Ok. Il est là. Aïe. Allez, viens là. Poum. T'es mort toi ou pas par contre? Qu'on soit d'accord, tu es mort? Non. Allez! Mais il vous en faut, hein! Mais il bouge encore! C'est bon? Et pour être sûr, voilà. Oh, une lampe torche, ça va être beaucoup mieux. Il n'y a rien. Clairement, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ok. Bon.
un piège là, on s'en fiche, on passe pas par là. C'est pas nous de tout foutre tout à l'heure ça? Ah ouais! Ah ouais, je tire sur un, t'as l'autre qui se réveille, normal. Normal. Sérieux? Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est bon? On va éteindre. Point de contrôle, ok. Ok, ok, ok. Alors. Viens dans le noir, tiens. Je préfère être dans le noir que dans la lumière. Ok, donc déjà j'ai vu un zombie là-bas. Un petit zombie. Qui n'est pas forcément si petit que ça. Et qui n'est pas forcément tout seul. Hop, je ne suis pas là pour le moment, merci de rappeler plus tard. Bon appétit les gars. Bon appétit les gars. Il y a encore un autre là-bas. Là, là, là. En mode furtif, je ne suis pas là. Allez, en mode tranquille, bilou. Putain, en mode t'es là. Tu me vois pas. Tu me vois pas. Non, non, c'est faux, tu me vois pas. Merde, il faut pas que je reste ici. La cour. Ça, j'adore. Bah je reste ici mais pourtant il s'arrête quoi, c'est normal. Allez cours, cours mon pote. Oh putain mais ça c'est pas vrai. Va me dire que tu savais faire ça, va me dire. Allez, salut les zombies! Moi je me casse! Chapitre 2 terminé! Eh ben, ça commence à se corser, mes amis! Ça commence à se corser. Là, va falloir jouer de plus en plus furtif, je pense, qu'il y aura de plus en plus d'ennemis. Et surtout, pas forcément des gentils! Donc voilà. Bon bah écoutez, là, chapitre 2 terminé, donc vidéo terminée. Voilà, comme je vous ai dit. Une vidéo par chapitre. Bon bah j'espère que ça vous plaît, que la série vous plaît quand même. Même si elle est sortie en novembre 2014, donc c'est pas récent entre guillemets. Mais bon voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Et que ça vous fait plaisir de regarder et de me voir jouer à ça. Voilà voilà, bah écoutez, je vous laisse là les gamers. Et puis bah je vous souhaite une bonne nuit à tous. Et bah à bientôt sur Office Gaming.